Pour Noël, j'ai convié ma famille à un grand souper de Noël et j'ai préparé deux tourtières. Une tourtière à la pintade et au chevreuil et au bison, et une tourtière au porc et au bacon. Juste quand je pensais que l'hiver arriverait jamais, ils ont installé l'abri tempo de l'escalier que j'emprunte à tous les jours pour me rendre à la brasserie où je vais pour jouer à la loterie vidéo poker. Et la frigorifiante magie hivernale a fait son apparition, avec toutes les obligatoires et dispendieuses emplettes de Noël qui s'imposent. Si on dirait que j'ai l'impression qu'à chaque année, ça me coûte plus cher que l'année d'avant, il y a une certaine féerie dans l'air quand une façade de maison s'illumine de picotis valsants dans l'air, qu'on dirait tout droit sorti d'une histoire féerique de Noël. On pense immédiatement à Jésus qui est né le même soir que Noël. Mais surtout, je pense à toutes les bébelles que je vais falloir acheter. Et mon premier arrêt est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal pour aller jeter un coup d'œil sur les choses qui y sont en d'énormes quantités de disponibilité. Et surtout pour jeter un coup d'œil sur les bottes en peau de serpent que je connais une ou deux personnes qui sauraient les apprécier. Ouf, quelle journée de fou! Une chance que j'ai plus besoin de faire la file pour mon café chez Tim Hortons grâce à la collecte mobile. Avec tout le temps qu'il faut penser à acheter des cadeaux, c'est important de bien se nourrir et vite. Avec le muffin dans une tasse par Duncan Hines, grosse compagnie de muffins et de gâteaux, je croyais avoir trouvé ce qu'il me fallait pour survivre au stress du temps des fêtes avec un estomac bien rempli. Mais j'étais surtout très curieux de voir comment fonctionnait cette toute nouvelle percée dans le monde du muffin. S'agirait-il d'une révolution ou d'un bid formidable? Chose est sûre, ça prend une tasse pour faire le muffin dans une tasse. Moi, je m'y connais en Blueberry Muffin. Ce sont mes muffins préférés. Alors, je peux pas me faire avoir par n'importe quoi. C'est mieux d'être bon. Sinon, ma critique va être dévastatrice. À la base, c'est de la poudre, un mélange déjà tout préparé par une usine aux États-Unis. C'est un muffin sous la forme d'un sachet. C'est pas plus compliqué que de mettre le mélange dans la tasse, de secouer les molécules un peu et ensuite de mettre quelques bonnes cuillerées d'eau du robinet ou de l'eau de votre choix. Mais l'eau du robinet, c'est l'eau la plus gratuite, donc je la recommande fortement. Et ensuite, on mélange la poudre avec l'eau de façon à ce que ça forme une pâte consistante qu'on peut ensuite aller mettre dans le micro-ondes pour l'étourdir bien comme il faut. Question que ça devienne un muffin. Si ça fonctionne, ça pourrait être carrément une nouvelle ère pour le muffin. Avant ça, pour avoir un muffin dans une tasse, fallait acheter son muffin puis le sacrer dans une tasse. Mais là, ce qu'on a, c'est une cuisson éclair d'à peine une minute directement dans la tasse. Et si ça fonctionne, je serai le premier à reconnaître que oui, c'est une étape très importante de franchie pour le muffin que d'être capable de le faire cuire dans une tasse. De prime abord, après la cuisson, la tasse est excessivement chaude, mais ça, je m'y attendais, même si ça me déçoit un peu. Ensuite, examinons l'allure que ça a. Appelleriez-vous ça un muffin? Serviriez-vous ça à vos invités lors du brunch de Noël? Qui sait, peut-être qu'au goût... Eh non, pas vraiment. Il y a quelque chose dans ma tasse, mais j'oserais pas dire qu'il s'agisse d'un blueberry muffin digne de ce nom, ni même d'un succès d'anil muffin. C'est pas bien bon. Mais j'ai pas le temps d'y réfléchir, il me reste tellement de choses à faire pour mon Noël. Faut que je trouve un cadeau pour le petit-neveu. Ça, c'est jamais facile, mais je pense qu'avec le mélange splat, je pogne quelque chose qui va peut-être sortir le jeune de ses écrans pendant au moins 2-3 minutes. Et si c'est le cas, mon cadeau aura fait la différence et je peux seulement que me dire merci de lui avoir donné. Noël, c'est pour donner, oui, mais c'est encore plus plaisant de recevoir. Et j'ai reçu plein d'affaires à Noël, dont un cadran hyper sophistiqué, j'étais vraiment content de l'avoir. J'ai aussi reçu du ragoût de chien, parce qu'on m'a dit que je mangeais des affaires bizarres dans mes vidéos et j'ai trouvé ça vraiment pas mal drôle, comme clin d'œil à ce que je fais dans mes temps libres. J'ai aussi reçu un livre, des coffrets DVD, des pantoufles et du chocolat chaud au bacon. Mais le cadeau que j'étais le plus content, parce que j'en ai vraiment, mais vraiment de besoin, que je l'avais souvent dit, c'était les deux lampes de chevet, parce que je m'en suis fait offrir par deux personnes différentes, et tu vois un peu quelle sorte de personnes ils sont par la lampe de chevet qu'ils ont choisi de m'offrir. Je trouve ça très drôle.
Aujourd'hui, je vais faire le défi hareng épicé. 50 sur l'échelle de Scoville. C'est épicé. Et puis ça, ce défi-là, je le fais pas pour rien, évidemment. Je le fais pour ramasser des fonds pour une fondation. Les liens vont être dans la description de la vidéo, étant donné qu'on est dans le temps des fêtes et puis que c'est très important de pas juste penser à son petit nombril. Il faut aussi penser aux gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est pour ça que je fais aujourd'hui le défi hareng épicé. Donc, pour m'aider dans mon défi, j'ai lu sur internet que c'était très bon du Windex. Donc, je me suis versé un bon grand verre de Windex. Il ne me reste plus beaucoup pour nettoyer mes miroirs, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, je nettoie rarement mes miroirs. Donc ça va. Pour une fois que ça sert. Ça devrait pas être trop dur pour moi de le faire, ce défi-là, parce que quand j'étais petit, je mangeais des petits jalapenos. J'en mangeais 4. Ok, là je comprends. Pour mon souper de Noël, j'ai eu peur de manquer de tourtière. J'en ai préparé deux autres. Celle-ci est au lapin et au poivre, et celle-là est aux 9 viandes, incluant de l'orignal, de la perdrix et du loup. Et voilà ce qui met fin à ce vidéo de mes emplettes de Noël. Je tiens à vous remercier tous les abonnés qui suivent la chaîne YouTube et à tous ceux qui ne sont pas abonnés, la suivent quand même. Et ce vidéo est dédié à la féerie et à la glace. Joyeux Noël! Un Noël magique pour tout le monde.